Salut les noobies, comment ça va? J'espère que... Ah, je t'ai eu! T'oublieras pas la prochaine fois qu'on se voit de préparer ton épaule. Passons aux choses sérieuses. Ça faisait un petit moment que j'étais pas retourné sur Fortnite. Peut-être le fait qu'ils aient ajouté un truc qui permet de disparaître et de fumer le premier joueur innocent qui passe devant moi. Pauvre petit Timéo, il doit rager derrière son écran. Ça me fait de la peine pour lui. Je penserai à lui tout à l'heure, quand je préparerai mon gâteau. Bref, ça a changé maintenant, car ils sont repartis de zéro en recommençant avec la première map. Et vu que moi j'ai commencé Fortnite que au début du mode sans construction, oui, car la construction... C'est de la merde. Moi je découvre réellement la saison 1, et tout le monde dit que c'est la meilleure. Eh ben on va voir ça, hein. Ah, j'allais oublier. On m'a reproché de ne pas assez vous dire qu'il fallait utiliser mon code créateur. Attendez. Je vous le mets en gros là, ici. Vous le voyez là? Allez, c'est parti. Je disais donc que pour moi c'était une grande première. Allez, on lance. Un peu plus tard. Mais ça fait 3 minutes que je suis bloqué sur l'écran connexion. Qu'est-ce que... Ah ouais, direct. Le temps de chargement était tellement long que j'ai loupé tout le pré-lancement plus le bus. Alors soit ce sont les serveurs d'Epic qui sont saturés... Soit c'est mon PC qui a chié. Pourtant, il marche bien. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un personnage de PlayStation 1. Il est tout cubique. Et ça lag. Voilà, donc là, je mets officiellement le pied sur la première map de Fortnite. Waouh, ça me fait rien du tout. Allez, première arme. Je la teste toujours pour ne pas me faire surprendre par la cadence du tir. C'est pas dégueu. Alors ça en revanche. Mais c'est moi où j'ai l'impression que le jeu est en 720p. C'est dégueulasse. Ah, premier coffre. Y'a pas de shield. Mais y'a vraiment pas de shield. Pourquoi y'a un transformer de Wish là? Oui, alors en fait, c'est pas ce que vous croyez. Rien à foutre, ça fait 4 minutes que je joue et j'ai toujours pas de shield. Même pas une petite fiole. Mais y'a rien. En plus, y'a des ennemis juste en face. Bordel. Oh, une fiole. Allez hop. Vite. Y'a mon pote qui est déjà en train de se friter là. Tiens, il s'est fait perplexer lui. Alors qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça me plaît un peu plus déjà. Elle fait pas un peu vide la map quand même? Ah, ça y est, un peu d'action. Mouais, à mon avis c'était des bots ça. Du coup, après avoir looté rien du tout, je m'étais mis à faire le tour de la ville. Sauf qu'un type spawn au-dessus de moi. Ah, mais c'est pas vrai! 9 minutes de jeu, j'avais toujours pas monté mon shield à fond. Ce qui aurait peut-être pu changer la donne. Et mon pote meurt. 19ème, 2 kills, première game et c'est un enfer! Bon, peut-être que c'est juste parce qu'on n'a pas eu de chance. Du coup, on en relance une autre. 6 personnes au même spawn. Pas d'armes, pas de shield, je meurs! Mon pote ne trouve pas d'armes! Il essaye la pioche! On meurt! 49ème. Je vais me faire une tisane! On relance. Mon pote me dit, on va où? Alors je lui dis, là. Il me dit, t'es con, c'est le spawn du bus. Et ben là alors! Et miracle, y'a pas un seul gus! On est tout seul! Il y a une arme! Et du shield! Et il y a vraiment des armes partout! Grenade à fumigène. Non, ça je prends pas, c'est de la daube. On part presque sur un sans faute! Petit kill en glissade. Ouais! L'autre, il essayait de me tirer dessus, mais apparemment, il avait oublié d'allumer son écran. Ça, c'est fait! Il y a une deuxième team et j'ai pas d'armes longue distance! Ça fera l'affaire. Ouais! À terre et down! Ha! Comment je les ai fumés! 4 sur moi. Vite! Avant qu'il rage quitte! Allez, faut pas se louper. T-back. Ah, quel plaisir! Alors c'est ça le sniper qu'il avait, l'autre? Ah ouais? Alors ça, c'est pas une balle de sniper, mais un projectile. Même un lance-patate a plus de vitesse. Nice shot. J'en veux pas. Une voiture sur un toit? Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les voitures dans ce jeu? Et si je casse le toit? La voiture s'évapore. Logique. Bon, on cherche pas plus loin. Oh, une P90 légendaire! C'est la même que Stargate! Alors là, je suis refait. Wow, la tronche du pont. Et il y a quoi sur la passerelle en bas? Ah, non, mais sérieux, là! Déjà que c'est chiant de trouver du heal dans cette... meilleure saison de tout Fortnite! Mais si en plus je perds ma vie inutilement, on va pas s'en sortir! Allez, je me tape toute la côte... Mais comment? Non, j'ai dit que je laissais tomber. Bah vas-y, mets-en partout, on dira rien. Ce qu'on vient de me mettre. Ils sont là. Aucun problème. Je suis bien à couvert, j'ai la P90 légendaire, arme de Stargate SG1, ils sont morts. Ah! Je suis nul, putain!
J'aime pas cette saison, elle est nulle, les armes sont nulles, y'a jamais de shield, et j'ai l'impression de jouer avec une télé cathodique avec cette qualité. Fortnite, c'était mieux avant. Suivant. Ouh, voilà une arme à la hauteur de ma carrure. Allez, viens ici, mon mignon. Une voiture de golf? C'est moi qui conduis. Mais c'est incontrôlable, ce truc. Même le jeu se fout de notre gueule. Allez, on trace la route. C'était une maison, ça? Yep. Au moins, ça avait l'avantage d'être un vrai tank. Attendez, je crois qu'il a dit quelque chose. Abonne-toi! Mais il a raison, le bougre. Il faut que tu t'abonnes. Sinon, le Père Noël, il va venir te faire un petit frère. Après avoir exterminé ces petits insectes, on continua notre route. Et un peu plus tard, je suis tombé sur ce pistolet débouche-chiotte, qui s'avérait être très utile pour les déplacements. Je suis Spider-Chiotte, fils de... Une météorite? Mais c'est possible d'y aller? Il faut que je teste ça absolument. J'ai l'impression qu'elle bouge pas. Logique. Ah mais c'est pas vrai! Même sur une météorite, j'ai pas la paix! Quoi? Pourquoi y'a un Triceratops qui vient de s'écraser sur la météorite? C'est pas l'inverse, normalement? Logique. Non mais alors là, si je crève pas à l'atterrissage... Ah d'accord. En fait, on meurt de la chute quand eux, ils le veulent. Allez vite, casse-toi! Un cabanon? Y'a forcément un truc intéressant dedans! Un débouche-chiotte? Le jeu a décidé de me troll. Attends, mais c'est quoi encore cette foutue game? Je fais exprès d'attendre quelques jours pour avoir un peu plus de contenu dans le jeu. Il me donne un foutu débouche-chiotte. Bon allez, on va pas se focaliser là-dessus, hein. Et évidemment, il y a un type dans ma baraque. Un peu de banane et de champignons. Mais ça donne rien! Bon, j'ai au moins l'avantage de la hauteur. S'il vient, je le fume. Je l'ai fumé! On m'a fumé. Bon, j'espère que ça se passera mieux dans cette partie-là. Oh bordel! Ah! Allez, calme-toi, ce n'est qu'un jeu de merde! Un peu plus tôt. J'ai un gros pistolet. Allez, on vise bien la nuque. Ah la vache! C'est pire que le criquet infernal dans Men in Black! Mais tu vas crever, oui! Mais quoi? 6 PV? Et tu vas me faire croire que c'est pas scripté? J'ai vidé 2 chargeurs sur lui, en plus de la balle de pistolet! Et il meurt pas! Logique. Bon bah, puisque c'est comme ça, on va troll, hein? Oh, un véhicule. C'est quoi ce truc? Waouh, on dirait le hamster dans Overwatch. Mais si, le perso qui se prend toujours des slips de Anna pour mourir inutilement. Je sens que ça va m'amuser ce truc-là. Oh, ma première victime. Le mec essayait de détruire ma boule. Et il arrivait même pas à me toucher. Pire, il balançait des bombardements aériens pour se les prendre lui-même. Mais il est con! Et il recommence, le bougre. Bon, il est temps de l'achever, le pauvre. Regardez-moi ça. Ça pullule de morpion ici. Et il paraît que ça saute super haut. Ah bah oui. Et apparemment, c'est tout ça. Ma voiture crève, charade. Non mais... Ah, j'aurais peut-être pas dû sortir de ma voiture de golf. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Un jetpack? Mais c'est trop dément, ça! Faille de débris. Tiens, on va essayer ça. Mais c'est quoi ce bordel? Il y a littéralement une enclume qui lui est tombée sur le pif. On dirait un cartoon. Tiens, prends celle-là aussi. C'est trop drôle ce truc. Pareil pour le jetpack, il voit même pas d'où les tirs viennent. Coucou mon mignon. Toi aussi tu en veux? C'est vraiment hilarant. Attention, j'arrive. Regardez, je suis au sommet de ma gloire. Hein? T'as même pas fait de top 1. To be continued. En attendant la prochaine vidéo, tu peux aller regarder mes 2 dernières pépites sur Minecraft. Tu vas te marrer.